je vous reprends aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un petit vlog, un vlog plante sur une petite semaine. Je vais vous parler un petit peu de petites choses que j'ai envie de faire avec mes plantes, notamment des rempotages, des petites évolutions de plantes, vous montrer un petit peu certaines choses. La première chose que je voulais vous montrer avant de vous embarquer pour tout ce qui est rempotage et tout ça, c'est dans la dernière vidéo, non l'avant-dernière vidéo, je vous parlais de, qu'est-ce que je vous disais, de petites nouvelles de plantes. C'était un mini vlog dans lequel je vous parlais des nouvelles de mes plantes. Et je vous parlais de ma Calathea, non Alocasia zebrina, ça va plus aujourd'hui. Et je vous disais qu'elle m'avait fait une nouvelle feuille, c'était trop chouette. Et qu'il y avait cette espèce de truc dégueulasse là que j'ai toujours pas coupé hein, depuis, hein, c'est honteux. Et en fait je vous disais que je trouvais ce truc un petit peu dodu et je me demandais s'il n'y avait pas une nouvelle feuille qui allait pousser. Et en fait, regardez ça. Donc je vais essayer de pas trop zoomer sur le truc parce que maintenant je vais le couper, hein, parce que j'ai compris qu'effectivement il contenait une nouvelle feuille et donc là j'ai une feuille qui va pousser également, donc je suis trop trop contente. Sachant que c'est une plante, alors comme je vous l'ai dit, je sais pas trop montrer le truc, je vais le couper. Hein. C'est une plante effectivement qui s'est mise en dormance hein, en automne-hiver et je suis vraiment super heureuse de voir là qu'elle fait deux nouvelles feuilles et donc trop chouette quoi, vraiment trop chouette. J'ai hâte qu'elle devienne encore plus grande, donc hyper satisfaite. Vous allez voir dans ce vlog, il n'y a pas que des trucs satisfaisants, il y a aussi des trucs un peu bof. Notamment une plante là qui va pas très bien, je sais pas trop quoi faire. Donc voilà, je vais vous embarquer avec moi pendant plusieurs petits jours avec, je l'espère, des petits plans un peu réconfort comme j'aime bien faire sur les deux chaînes du coup. Voilà, voilà. C'est le moment pour moi de m'occuper de mes petites boutures et de la mettre en terre. Donc là, je vais m'occuper d'un petit philodendron que j'ai acheté sur le site Betts Butch, si je le dis bien, j'en suis pas sûre. Donc je le mets en terre. Donc là, je prépare mon petit terreau. Je mets du terreau avec un petit peu de perlite pour apporter un côté un peu drainant, un peu aérien à ce terreau. Hein. Je fais ça à l'arrache comme d'habitude. Je me pose pas trop de questions. Donc je prépare mon petit pot là pour ce philodendron qui est vraiment très mignon. Je vous avoue que depuis que je l'ai mis en terre, il a fait déjà une nouvelle feuille, donc il se plaît super bien dans le terreau et visiblement chez moi, donc ça c'est cool. Ensuite j'ai regardé un petit peu les plantes que je pouvais mettre en terre, il y en a quelques-unes qui sont pas encore prêtes, notamment un petit philodendron scandens, non micans pardon, et puis ici petit aglaonema qui sont pas encore assez racinés. Et du coup j'ai mis une bouture de mon Hoya Eskimo, je crois que c'est ça son nom, qui s'est pris plein de cochenilles, j'ai eu la flemme de m'en occuper, j'en ai eu marre, je l'ai bouturé. Voilà, l'histoire de toute ma vie. Et oui c'est vrai que j'ai rempoté un petit alocasia que j'avais acheté sur un site et qui ne prenait pas et donc je l'avais mis en eau, j'ai attendu qu'il fasse un peu plus de racines donc je l'ai mis en terre et effectivement là il me sort une nouvelle feuille. Et ici ce que vous voyez c'est une petite bouture que j'avais achetée sur Betts Butch. Alors j'ai eu un petit souci avec celle-ci, je les ai pas contactées, mais j'aurais pu je pense, en fait j'ai dû la sauver en la mettant en sphaigne, elle m'a refait des racines avec une nouvelle feuille donc là je l'ai remise en terre pour voir ce que ça va donner, mais je vous avoue que je sais pas si ça va fonctionner, surtout que je sais même plus la variété tellement on la reconnaît pas, voilà. Ensuite c'est le moment de chouchouter, le moment préféré je trouve de tous les rempotages, c'est de les faire blinquer comme on dit ici, donc bien les frotter pour qu'elles soient bien brillantes. Donc ce petit philodendron que je trouve magnifique, je vous mets le nom juste là parce que j'ai un peu oublié, mais franchement je le trouve très très beau. Et puis voilà ce que donne la petite Hoya, et c'est vrai que le très chou cette petite Hoya. Thank you.
Hello hello, je vous retrouve un peu plus tard et même en fait le dernier jour de ce vlog, mais j'ai encore plein de choses à vous montrer et à vous dire. Je crois que je vais commencer par une plante un peu spéciale. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de mon hôpital de plantes, c'est une petite serre dans laquelle je mets des plantes quand elles ne vont pas bien. Et effectivement, souvent, c'est des plantes que je coupe à ras et que je laisse repousser petit à petit et je ne note pas quelles plantes j'ai mis dans cet hôpital de plantes. C'est tout à fait volontaire de ma part. Et en fait, il se fait que y en a une qui a commencé à repousser et je ne sais absolument plus quelle plante c'est. Je l'ai mise du coup près d'une vraie lumière, hein, j'ai sorti de l'hôpital de plantes et là elle commence vraiment à pousser. J'ai cru que c'était mon Syngonium variegata, mais en fait mon Syngonium variegata a commencé à pousser aussi. Et donc je me suis dit bah non c'est pas celui-là, c'est un autre. Et en fait je ne sais absolument pas ce que c'est, j'ai l'impression que ça doit être une sorte de philodendron parce qu'on a un petit peu le même type de pousse qu'un philodendron ou alors un Syngonium. Mais je pense plus à un philodendron, mais je ne sais absolument pas lequel c'est. Alors j'attends pas forcément une réponse de votre part en regardant ça, c'est juste pour vous montrer que j'adore ce concept. Voilà, pas fait exprès, enfin plus ou moins pas fait exprès. J'ai une plante là, je ne sais pas ce que c'est. J'ai pas l'impression qu'elle va avoir des trous, donc je pense pas que ce soit mon Monstera oblica. Mais je sais tellement pas ce que c'est. En plus la feuille a l'air plutôt grande, donc je vous avoue, je suis un peu perplexe et j'ai très hâte. Je pense que je saurai ça dans quelques jours, donc ce sera le vlog sera terminé. Mais de toute façon, je vous donnerai un petit peu des nouvelles. Hein. Lors des prochains vlogs, j'essaye, même si je ne vais pas vlogger tous les jours de ma vie, hein, je vous ai déjà dit sur l'autre chaîne aussi, mais je vais essayer de vous donner des nouvelles, des petites choses dont je vous parle dans les vlogs au fur et à mesure. Comme ça, c'est cool quoi. Enfin, moi, j'aime bien aussi avoir ce genre de nouvelles. Ensuite, je viens vous parler d'une grosse acquisition. J'ai fait un achat en rapport avec les plantes. Il s'agit d'un livre sur les plantes. Alors, au niveau des livres, j'en ai à peu près 5 ou 6 à l'occasion. Si ça vous intéresse, je vous les montrerai. Mais c'est vrai que je me dirige plus trop vers les livres de plantes. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression d'avoir un petit peu fait le tour de ces livres-là et que aussi il y a toujours un peu le même type de plantes. Il n'y a que mon encyclopédie dans laquelle je me dirige régulièrement parce que c'est vrai qu'elle est très complète et qu'elle me permet aussi, dans le cas de plantes que je ne connais pas, d'avoir des informations. Je pense à des plantes à fleurs ou des plantes que j'aime bien offrir. Je pense par exemple aux orchidées, j'aime pas ça moi les orchidées, mais si je dois offrir une orchidée à quelqu'un, j'aime bien pouvoir lui dire bah voilà tu peux t'en occuper comme ça et donc un petit peu regarder dans le livre parce que je connais rien, hein, voilà. Et c'est vrai que parfois pour des petits indésirables aussi de temps en temps je vais dans les livres de plantes, mais c'est vrai que je les délaisse quand même parce que j'aime bien tester des choses aussi et puis sinon je regarde sur internet en fait, grosse flemme. Je vais voir s'il n'y a pas une vidéo qui est sortie sur tel ou tel sujet, que ce soit Marion, que ce soit Carole ou une anglophone. Enfin voilà, je vous avoue que ça va peut-être un peu plus vite. Voilà, je vais plus trop vers mes livres de plantes. Et du coup quand Marjorie de Marjorie's Plantes a sorti sa vidéo sur les livres, Marjorie d'ailleurs je vous conseille sa chaîne YouTube hein, qui est vraiment chouette, elle a des super idées, vous allez voir, elle a fait une vidéo sur sa classe, la manière dont elle a distribué une plante par enfant dans sa classe, c'est trop mignon. Enfin bref, allez voir sa chaîne, elle est vraiment super chouette. Et elle a fait une vidéo sur les livres justement qu'elle possédait autour des plantes. Au début ça m'intéressait pas trop parce que bah voilà, je vous le dis, je me dirige vraiment plus trop vers les livres. Mais j'ai regardé parce que c'était Marjorie. Et en fait elle a présenté un livre et du coup bah je l'ai acheté quoi. Voilà. Je vous dis un petit peu les circonstances. En toute honnêteté, je ne l'ai pas acheté en librairie. Alors vraiment, la fille qui a une chaîne booktube qui dit « je n'ai pas acheté le livre en librairie », je l'ai acheté sur bol.com. Alors je connais pas bien le concept de bol.com, j'ai voulu éviter Amazon, mais en fait est-ce peut-être pire, je ne sais pas. J'ai jamais trop compris le concept. En tout cas, un des concepts de ce site, c'est que tu peux payer après réception. Et donc tu peux renvoyer si par exemple tu n'apprécies pas l'objet. J'ai déjà fait ça avec des tasses notamment. Voilà, j'avais commandé je pense 3 tasses, j'ai choisi celle que je préférais. Voilà, c'est pas hyper écolo, hein, on est d'accord. Ça m'arrive pas souvent de commander chez eux. Et là, j'ai vu en fait par hasard qu'ils avaient ce livre moins cher d'ailleurs que sur d'autres plateformes. Et du coup, je l'ai commandé. Je me suis dit, je vais le feuilleter, mais vraiment délicatement parce que j'ai jamais fait ça avec des livres. Moi, les livres, vous le savez, enfin, si vous me suivez sur la chaîne Livre, je les achète en librairie quoi, la plupart du temps. Ou parfois chez Momox, mais souvent chez Momox. Mais c'est vrai qu'ici, c'est un peu compliqué de se procurer ce livre-là, vu que c'est un livre en anglais.
spécialisée sur les plantes. Et donc, tout ce blabla pour dire que j'ai ce livre, mais que je ne l'ai pas encore payé. Voilà. Donc, je suis en mode hésitation, mais pas trop, de savoir si je vais le payer ou pas. Il s'agit de Plantopédia, mais quelle merveille. Quand Marjorie en a parlé, j'ai bavé. Vraiment, je me suis dit oulala, parce que moi je suis très très attirée par les photos de plantes avec un fond sombre, avec un fond vert foncé, un fond noir ou un fond un peu bois, que ce soit un peu rustique. J'aime pas trop les photos un peu édulcorées, les très claires avec des fonds blancs, machin, avec une maison rangée, tout ça. C'est pas trop mon truc. J'aime bien les trucs un peu rustiques, un peu bruts. Et alors quand le fond est sombre comme ça, je trouve ça magnifique, ce contraste en fait des deux verges, c'est splendide. Et du coup je me demandais si toutes les photos du livre étaient comme ça. Alors je pense que je vous aurais mis ou je vous mettrai des petits extraits pour vous le montrer. J'ai pas envie en fait de l'ouvrir là maintenant 10 000 fois parce que imaginez, je ne le prends pas. Je sais pas trop ce qu'ils font. Déjà il aura des dégâts avec l'envoi si je le renvoie. Donc j'ai pas envie de l'ouvrir 10 fois avant de me décider. D'ailleurs, je trouve ça un peu spécial comme concept, mais bon, pourquoi pas. J'ai craqué hein, parce que c'est arrivé en plus très très vite. C'est ça qui me fait poser aussi des questions au niveau de l'éthique du site bol.com, vu que bah, je l'ai reçu quand même très vite. C'est quand même être... Enfin bref, passons. Mais c'est Plantopédia, donc c'est en VO. C'est Laurane Camilleri et Sophia Kaplan qui ont fait ce livre-là. Je pense qu'il y a des images absolument sublimes. J'ai hâte de le feuilleter à mon aise avant de me décider. Je pense qu'il y a aussi une autre version. Voilà pour ça. Donc, oh là là, je craque. Alors, je vous prends dans mon petit coin plante. Alors, c'est un coin dans lequel il y a beaucoup de plantes. C'est le coin où j'ai mis pas mal de mes plantes que j'aime particulièrement parce que c'est dans le salon. Le focus se fait pas sur moi, mais c'est pas très grave. Comme c'est dans le salon, c'est un endroit que je vois tout le temps. Donc, pour moi, c'est important de voir mes plantes préférées. C'est logique. Et là, il y avait, hier, j'ai changé ça hier, il y avait ma Monstera variegata. Et en fait, elle est tellement grande, elle prend tellement de place qu'elle cachait un petit peu toutes les autres et du coup j'avais pas forcément une belle visibilité sur ma collection de plantes et j'étais un peu frustrée. Voilà, et donc ce que j'ai fait c'est que je les ai un peu espacées. Je vais vous faire un petit zoom bien sympathique des familles. Je les ai un petit peu espacées pour qu'elles aient vraiment plus de place, qu'elles soient plus mises en valeur. J'ai mis mes alocasias au même endroit pour que elles aient un peu le même type de luminosité. Non. Bon bref, je vais ramasser ça après. Catastrophe, mon dieu. Oh non, c'est tout. Non mais elle va bien. Elle va bien, elle a juste perdu une partie de son terreau. Mais tout va bien sinon. Oh non, la pauvre. Oh elle a soif. Bon, je vais aller la mettre là pour l'arroser. Voilà, ça c'est ce qui peut se passer en live.
Donc, je voulais vous dire que celle-là, c'est une alocasia, je crois que c'est la porte d'Odora. Je vais devoir couper cette feuille-là, par exemple, parce que elle est un peu jaune, hein, vous le voyez, j'ai un peu eu la flemme de le faire. Et donc, je trouve que les plantes sont plus mises en évidence ici, enfin, quand elles ne se suscitent pas, hein, parce que voilà. J'apprécie mieux ce coin de cette manière. Parce qu'elles ont plus d'espace et je peux mieux les admirer. On a ce petit coin ici. Là, vous avez par exemple mes caladiums. Alors cette année, les caladiums, c'est une catastrophe. Faudra que je vous en parle à l'occasion parce que j'ai vraiment honte. Franchement, s'il y a bien une honte que j'ai cette année, c'est ma collection de caladiums cette année, quoi. On est genre en mi-juin et j'ai que ça comme vraie feuille, quoi. C'est honteux. Enfin, c'est honteux pour moi parce que les autres années, j'avais aucun souci. Celle-là aussi. En fait, comme je les ai mises en sphaigne, je pense que je vous en ai parlé. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais... ouais, peut-être que c'est parce que je les ai mises en sphaigne. Je crois que c'est tout ce que j'ai cette année, c'est vraiment nul. Je suis un peu déçue, mais bon, voilà. Au niveau des plantes qui sont ici, donc elles ont souvent de la bonne humidité, vu qu'elles ont un humidificateur ici. Du coup, il y en a quelques-unes qui en ont bien besoin, notamment ce Calathea orbifolia qui est de toute beauté, mais j'ai jamais réussi à faire pousser une bébé plante de Calathea. Ça, je sais pas si elle va devenir grande. Je sais pas. Elle a des petites traces, enfin bref, je sais pas trop. On a mon philodendron Mamey qui va plutôt bien. Il me fait une nouvelle feuille, je sais pas si vous le voyez ici. Une feuille ici qui est en train de se faire depuis un petit moment, hein. Elle est toujours pas sortie. Voilà pour celle-ci, je lui ai commandé un pot assez large pour qu'elle puisse s'étaler puisque c'est une plante rampante, mais bon, je sais pas dans combien de temps j'aurai ce pot. Ensuite, les alocasias, on a celle-ci qui pousse bien, hein. Je vous avais parlé de celle-là, hein, je pense, c'est chouette, j'ai pas, y a rien de nouveau depuis la dernière fois. La zébrina va bien, la feuille qu'elle est en train de faire, je vous ai dit en début de vidéo, elle est en train de pousser, donc c'est beaucoup trop chouette. Une autre frustration, c'est ma Freideck qui s'est mise en dormance cette année et elle pousse hyper lentement en fait, elle ne vient pas, enfin c'est vraiment... Ah, c'est vraiment... Peut-être qu'elle a de nouveau soif. Non, ça va. Elle est quand même bien humide. J'espère que ça va aller, qu'elle va ressortir au moins cette année, quoi. Parce que là, elle est en train d'essayer de se ressortir depuis un moment. Je l'ai changée de place. Je sais que les alocasias n'aiment pas ça. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'elle prend tant de temps. Je l'ai changée de place pour un endroit plus lumineux. Peut-être qu'elle va pousser du coup là prochainement parce que elle sait peut-être... Bon, depuis le temps maintenant, elle s'est adaptée au nouvel endroit. J'espère quand même qu'elle va pousser cette année parce que ben, la Freideck quand même c'est ma plus belle, enfin, une de mes plus belles plantes. Ensuite on a un philodendron ici, c'est pas un plan de tour mais je voulais vous montrer un petit peu ce petit coin que j'aime beaucoup, que je viens de réaménager. Un philodendron, je sais plus, le nan quelque chose, c'est une des premières plantes avec une grande feuille que j'ai achetée. D'ailleurs on la voit même pas en entier. C'est une des premières plantes avec grandes feuilles que j'ai achetées. C'est un philodendron que j'avais acheté en attendant d'avoir un mamey ou un... Vous savez, ce type de plante dont on rêve, enfin, dont je rêve en ce moment, dont on parle beaucoup, surtout dans les collections de plantes. Et c'est vrai qu'en fait, je la trouve magnifique. Elle est splendide. Elle est très simple, hein, mais je la trouve quand même splendide. Voilà. Et je vais vous emmener un petit peu de l'autre côté. Alors ces plants à la... Qu'est-ce que c'est que ces plants pourris? Salut. Je vais vous emmener de l'autre côté pour vous montrer ma Monstera variegata, là où je l'ai mise. Je sais pas si ça vous intéresse, mais je vais quand même vous montrer. Nous sommes ici sur un plan absolument magnifique, hein, de ma cuisine. J'essaie de montrer un angle où on ne voit pas trop où j'habite parce que j'ai la fenêtre et on voit où j'habite évidemment. Donc je l'ai mise là. J'ai mis hier, donc j'ai pas trop le temps de me dire comment elle va. En tout cas, je trouve qu'elle a beaucoup plus de lumière là et elle est beaucoup plus mise en évidence. Vraiment, je l'ai un petit peu isolée. C'était un coin où il y avait plein de plantes un peu l'une contre l'autre à nouveau. Et du coup, là, j'en ai mis beaucoup moins et ça m'a permis de mettre en évidence mes deux bégonias. Vous savez, les bégonias maculata, on a celui-ci et celui-là qui est en sauvetage de il y a 2 ans maintenant. Enfin, oui, elle aurait pu être plus grande en 2 ans. Mais voilà, je la mets en évidence pour y penser. Oh là, elle a perdu une feuille, la pauvre. Je crois qu'elle a soif d'ailleurs. Je vais lui donner à boire. Voilà, et alors ici, on a mon Ficus lyrata, qui était un endroit complètement caché dans mon appartement. J'ai décidé de me mettre là pour lui donner une chance de pousser un petit peu mieux, parce que je le laissais un petit peu de côté.
Et là, on a un coin un peu bordélique avec ce fameux, il me semble que c'est un Peperomia scandens, il me semble. Très joli d'ailleurs ce Peperomia scandens, je le vois nulle part dans aucune collection. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre dans ces plantes que tout le monde, personne n'aime sauf moi. Et ici, c'est mon lemon lime, hein, voilà. Mais je trouve que ce nouvel emplacement leur va super bien, je suis trop contente. Écoutez, je vais vous laisser là pour la fin de cette vidéo. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !